people doing lines. Don't do it, don't do it. Inject your soul with liberty. It's free, it's free. To all the kids with heroin eyes, don't do it, don't do it. Because it's not, not what it seems. Oh no, it's not, not what it seems. Salvation, salvation, salvation is free. Salvation, salvation, salvation is free. Bienvenue à Personne n'en parle, notre deuxième saison. Bonjour, Dr. Morin. Bonjour, Dan. Bonjour à notre invité. Bonjour. On y reviendra. Oui. Bonjour aux caméléons. On est bien content d'être là pour notre deuxième saison. Oui. Ceux qui nous ont suivis l'année dernière, vous savez que nos podcasts, à chaque épisode, ont passé en revue une substance à potentiel d'abus qui pouvait causer certains méfaits. Donc, notre but, c'était de diminuer les méfaits liés aux usages de substances en parlant de la substance, en donnant de l'information, puis, il faut le dire, hein, en s'amusant. Parce qu'on avait beaucoup de masques, on mettait de la couleur dans, des fois, un sujet qui peut être difficile. Et de la musique. Et de la musique, toujours de la musique. Alors, pour notre deuxième saison de Personne n'en parle, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire des rencontres et de parler à des gens qui, concrètement, les ont connus, ces substances-là. Fait qu'on en a parlé. Vous pourrez y référer. Peut-être ça peut être intéressant d'y référer. Ils sont toujours en ligne. Fait que des gens qui ont des parcours d'exception puis qui ont accepté de vous livrer un peu leur expérience puis ce qui les a amenés à connaître particulièrement certaines substances. Donc, au travers de la prochaine saison, on va leur toucher parfois certaines plus que d'autres, dépendamment des parcours de nos invités. Je poursuis en ce sens, Daniel, pour vous dire que les invités qu'on a choisis, c'est des invités qui ont accepté de nous parler sans censure. Donc aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des questions que, dans le fond, tout le monde voudrait poser, mais qu'on n'ose jamais. Évidemment, on laisse le libre choix à nos invités de nous répondre. Si jamais on leur pose une question qu'ils ne sont pas à l'aise, on vous rappelle qu'on fait des podcasts sans montage. Donc, si nos invités ne sont pas à l'aise de nous répondre, ils vont tout simplement nous dire qu'ils ne s'en rappellent pas ou que ça ne leur tente pas de répondre à ça. Et on va respecter ça. Et on se donne 45 minutes. Alors, je vais tenir le temps. Je pars une alarme. Alors oui, 45 minutes avec possibilité de rappel quand même. Donc, moi aujourd'hui, je vais vous présenter notre invitée, Sandrine. Sandrine, merci beaucoup d'être ici. Moi, Sandrine, je l'appelle ma licorne parce qu'elle est un peu magique et parce qu'elle a toujours les cheveux colorés. On se connaît depuis 2015. On a eu la chance de se rencontrer souvent, mais il y a quand même des questions qu'on va lui poser aujourd'hui que je n'ai jamais posées dans le passé. Et si on vous présente Sandrine, ben c'est parce qu'on considère qu'elle a parcouru un certain chemin dans sa vie pour être assez à l'aise de vous parler de sujets parfois très marginaux ou très, très sensibles, avec un certain détachement. Ça se peut qu'on rit, ça se peut qu'on pleure. On va y aller with the flow. On va y aller selon notre inspiration. On n'a pas d'entrevue préétablie, alors on y va avec ce qui est intéressant et ce que notre invité est prête à nous livrer. Et finalement, je tiens à dire aussi que dans notre première saison, on a commencé nos épisodes avec une chanson, une pièce de piano classique. Maintenant, pour la deuxième saison, j'ai décidé de vous faire des chansons au piano avec chant. Je ne prétends pas chanter comme Céline Dion, pas du tout. De toute façon, ce n'est pas tout le monde qui l'aime. Puis, on a choisi des chansons qui représentent notre invité. Fait qu'aujourd'hui, j'ai choisi la chanson Salvation des Cranberries parce que cette chanson-là parle un peu de prévention, mais d'héroïne, en fait. C'est une chanson qui parle d'opioïdes. Donc, sans plus tarder, je vous présente Sandrine. Bonjour, enchantée. Bienvenue. Bienvenue. Puis j'aimerais que tu nous parles un peu de toi, en fait, pourquoi tu penses que tu es ici aujourd'hui, mais surtout où tu es rendue. Parle-nous d'où tu es rendue aujourd'hui, puis on pourra parler du passé par la suite.
OK. Moi, aujourd'hui, je suis rendue intervenante dans un organisme en réduction des méfaits dans Hochelaga qui s'appelle Dopamine. Je suis aussi père répondante pour une ligne de prévention des surdoses qui s'appelle National Overdose Response Service, qui est une ligne de trip sitting, une ligne téléphonique de trip sitting, dans le fond. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quand les gens consomment seuls ou accompagnés, peu importe, ils nous appellent puis on supervise le temps qu'ils consomment pour être sûr qu'ils ne font pas de surdose. Puis s'ils deviennent, s'ils arrêtent de répondre ou si, peu importe, il se passe quelque chose de mal, nous, on est là pour appeler les services d'urgence ou les personnes contact de leur choix. Tu es en train de nous dire qu'il existe des sites d'injection supervisée à distance? C'est un site de consommation supervisée virtuel. C'est au téléphone, oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'appels? Quand même. Puis on a, dans le rapport annuel, il disait qu'on a sauvé 32 vies dans la dernière année, quelques milliers d'appels. Toi, est-ce que c'était déjà arrivé d'avoir appelé l'ambulance, envoyé l'ambulance lors d'un... Quelques fois, puis ah, oui? Ils ont toujours survécu grâce au service. Ouais. Est-ce que ça a été mis en place à cause de la pandémie? Exactement. Ils ont débuté ça au début de la pandémie pour que les gens qui sont trop loin ou qui ne pouvaient pas fréquenter les sites d'injection supervisée aient accès quand même à du trip sitting. Et ça va continuer? Oui, on espère. Ça devrait. Wow. C'est génial. Oui. Je n'avais pas compris, en fait, l'ampleur de ce... Concrètement, c'était quoi ce... On appelle... C'est un organisme, dans le fond? Oui, c'est un organisme. Projet. OK. C'est des gens seuls qui appellent ou des fois des groupes... C'est souvent des gens seuls, ouais. Mais j'ai un usager l'autre fois qui m'a dit « J'appelle même quand je suis avec des amis, parce que l'autre fois, j'ai fait une surdose, puis mes amis m'ont juste laissé là. Ouais. » Wow. Ils sont partis, puis ils m'ont laissé là. Fait que dit « Maintenant, je prends plus de chance, j'appelle même quand je suis accompagné. » Ça, on voit ça, hein? On voit ça des fois, mais il paraît qu'il existe, je sais qu'il existe une loi qui fait en sorte, est-ce que tu sais, mettons que vous êtes en gang, puis il y a un dealer là-dedans, puis il y a quelqu'un qui fait une surdose. Oui, la loi de la protection du bon Samaritain. Oui, c'est quoi ça? Oui, mais dans le fond, la loi de la protection du bon Samaritain, c'est que si tu commets un acte raisonnable pour sauver la vie de la personne, tu peux pas être poursuivi. Puis là, ils l'ont un peu élargi, je suis pas professionnelle là-dedans, là, mais si t'as de la drogue sur toi ou s'il y a de la drogue sur les lieux, ils peuvent pas porter l'accusation. Si t'es mandat pour des petites offenses, comme des tickets ou des choses comme ça, ils peuvent pas t'arrêter. C'est sûr que si t'es recherché pour meurtre, ils vont pouvoir t'arrêter quand même, mais si t'as des quantités de drogue qui sont pas reliées à du trafic, ils vont pas t'arrêter. S'il y a juste un point d'héroïne en place, l'usage mais personnel. Pas de charge, l'usage personnel, oui. Okay. C'est sûr que s'il y a un kilo d'héroïne puis 1000 baggies et une balance, peut-être qu'ils vont porter des charges, mais ça protège plus au niveau conso personnel puis les. Ouais. Puis. C'est bon de le répéter, ça, parce que, garde, tu viens de le dire, des amis sont partis. Mais ils ont mis ça en place. Pour que les gens arrêtent de juste pas appeler l'ambulance ou que les gens arrêtent d'appeler l'ambulance puis de sacrer leur camp, tu sais. C'est pas assez su, fait que c'est vraiment bon de le répéter. On en avait parlé dans un podcast précédent. Est-ce que je peux te demander si toi, t'as déjà utilisé un site d'injection supervisée? Oui, au début de la salle d'injection supervisée à Cactus. C'est pas une expérience que j'ai aimée. Je trouvais ça très médical, très froid. Le rituel d'injection, c'est quelque chose qui est assez personnel. Est-ce que ça manque, ça fuck le buzz? Ben un peu, moi, à cette époque-là, je consommais beaucoup des stimulants, tu sais, c'est un peu particulier, puis j'étais rentrée, puis je connaissais trois personnes qui étaient à des cubicules. C'était un peu comme intimidant, puis, tu sais, c'est des comptoirs stainless avec des miroirs, puis des petits panneaux, puis je trouvais ça un peu impersonnel, tu sais, j'étais plus habituée à m'injecter à l'extérieur ou dans mes appartements, tu sais. Mais en même temps, tu prônes ces sites-là, j'imagine, mais ce serait quoi l'avantage? C'est quoi le vrai avantage d'aller là? Accès à du matériel, accès à des conseils. Moi, j'y allais souvent parce que j'avais besoin des conseils d'infirmière. J'étais plus capable de m'injecter, j'avais plus de veine, je savais pas où m'injecter. Les mesdames trouvaient une veine. Okay. J'étais moins stressée. C'est moins stressant qu'être assis dans une ruelle à se demander quand la police va venir, tu sais. T'as le temps de bien faire les choses, il fait pas froid, t'es dans un environnement stérile. C'est sûr que dépendant de ce que tu consommes, il y a des substances qui sont plus à risque de surdose que d'autres, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'ai beaucoup d'amis qui faisaient beaucoup de fentanyl, qui allaient dans les sites d'injection supervisée parce que c'est un peu une roulette russe, tu sais. Ils savent jamais trop la force de ce qu'ils vont avoir quand c'est un nouvel batch ou un nouveau dealer, tu sais. Mais il n'y a pas du testing. Toi, comme, mettons, que tu es dans la rue, c'est-tu facile de faire tester ton stock? À l'époque, il n'y avait pas encore de testing. Maintenant, il y a le checkpoint puis le grip. À l'époque, c'était quand ça a ouvert les sites d'injection supervisée, il y a 5 ans. OK. J'étais allé juste quand ça venait d'ouvrir. Fait qu'avant 2017, tu pouvais pas vraiment tester ta drogue par toi ou par Cactus. Tu pouvais faire venir des bandelettes de fentanyl, mais il fallait que tu fasses venir toi-même. Là, Cactus, on avait eu une batch un moment donné qui avait commandé, qui en donnait, mais c'était pas encore super accessible. Il fallait payer, il fallait le faire venir nous-mêmes. Puis là, c'est rendu, il y a Checkpoint, il y a le GRIP qui ont un service d'analyse de substances. Ça se développe, mais même à ça, c'est des... Je pense que Checkpoint, si je me trompe pas, c'est voir quelques jours, semaines avec des horaires. T'sais, c'est pas encore... Le GRIP, ils se promènent, ils ont des points fixes, puis ils peuvent se déplacer, mais... C'est pas encore... Puis dans les organismes, maintenant, ils donnent des bandelettes de testing fentanyl, mais pour tester autre chose, c'est encore limité. Je trouve que c'est à développer parce que c'est vraiment important de tester sa drogue. Mais toi, t'es-tu née à Montréal? Saint-Hyacinthe. Mais je suis partie à Montréal quand j'avais 16 ans pour étudier au cégep. Puis t'es restée à Montréal après? J'ai fait un petit peu d'une année autre, mais plus d'années à Montréal qu'à Saint-Hyacinthe. Puis t'as-tu resté au cégep?
Non, j'ai fait une session, je suis rentrée en thérapie. En thérapie, après, dans 2 étapes? Après un mois, ouais, en thérapie pour problème de consommation à 17 ans. Là. À 17 ans? À 3 semaines après mon début de session. T'es allée où? Pavillon du Nouveau Point de vue à Lanoraie. Ouais. Puis, wow, puis c'était ta première thérapie, oui, j'imagine. Ouais, 17 ans, oui, c'est ça. Et tu consommais depuis combien de temps déjà? Depuis, j'avais commencé à consommer à 13 ans, mais ça a escaladé très rapidement. J'ai commencé un joint, une semaine après, je faisais un speed. Un mois après, j'étais sur la coke. Ça a comme vraiment escaladé vite. Ah, fait qu'à 17 ans. T'expliques ça comment? Que ça a été si vite? Ah, c'est vraiment venu combler un... Ça m'a vraiment rempli le vide que j'avais dans moi. T'as de l'essence, j'étais pas bien dans ma peau, je connaissais pas ce que j'aimais, je savais pas, j'étais vraiment une crise d'identiteur, puis j'avais des gros problèmes de comportement, puis... Mais comme n'importe quel adolescent, non? Oui, mais moi, la drogue, c'est vraiment vu me faire sentir mieux, tu sais. Okay. Fait que je tombais là-dedans vraiment vite, puis je pense que je voulais impressionner, puis je voulais avoir l'air... une genre de quête d'avoir l'air plus hardcore que les autres, tu sais. C'était quoi ton style? T'étais-tu rock? T'étais-tu hip-hop? Oh mon Dieu, mon style ado, ça s'est promené, hein. J'ai commencé gothique, ça s'est promené à punk, j'ai viré hip-hop. J'ai fini par skier quelque part entre punk et hip-hop, là, genre des pantalons patchés, baggies d'homme avec un corset, puis un corset gothique, puis genre un chapeau de forme, là. C'était tout qu'un style. Est-ce que t'as fréquenté le réseau des raves, des after hours? T'étais pas là-dedans? Vieille un peu. OK. D'abord, après cette thérapie-là, j'ai été 4 on est à quelle époque de la vie, là, quand on parle de ça? Ben, t'as quel âge maintenant? J'ai 31. OK. Donc, puis t'avais quel âge? On parle de 2003. 2003. OK. Moi, okay. 2003-2004 que j'ai commencé à consommer. Prends la thérapie en 2006 ou 2007, ça veut dire. Puis après ça, j'ai été 4 ans et demi sans consommer. Pas de drogue, pas d'alcool, pas de viande cuite dans l'alcool, pas de café, pas de cigarette, pas de boisson énergisante. 4 ans et demi? Straight edge, ouais. Avec, faisais-tu du meeting? Oui, je faisais du meeting à l'époque. OK, donc puis, ça t'a aidé. Oui. Okay. C'est dans cette année-là que j'ai été diagnostiquée bipolaire. T'avais quel âge? 20 ans. Diagnostiquée bipolaire à 20 ans? Oui, exactement, à 20 ans. Mais t'es presque chanceuse. C'est moi qui l'ai amené au médecin, que je trouvais que c'était pas normal, mes switches d'humeur. Elle m'a diagnostiqué un trouble bipolaire, on a commencé la médication. Ça n'a pas fonctionné. J'ai fait un gros épisode maniaque, ramassé à l'hôpital. Le psychiatre a reconfirmé le diagnostic. Puis après, là, c'est enclenché un long processus de trouver de la bonne médication, mais... Waouh, mais c'est quand même exceptionnel d'être diagnostiqué aussi jeune. Puis c'est à quelque part presque une chance, parce que peut-être que tu serais plus là si... S'imagine toute la consommation sans avoir été traitée pour l'humeur. Penses-tu que tu aurais passé à travers tout ça? Bien, c'est quand j'étais diagnostiquée, ça faisait 3 ans que je consommais plus. Fait que je sais que le diagnostic est valide. Parce que sinon, souvent, c'est confondant un peu d'avoir des diagnostics quand tu consommes. Parce que quelqu'un, ça a coke, ça a toujours l'air quelqu'un en manie. Bipolaire. Mais comment tu faisais dans ces 3 années-là où tu n'as pas consommé? Tu n'étais pas encore diagnostiquée, donc tu ne prenais pas de médication pour cette. Condition-là. Mais Marie-Ève pourrait comment confirmer... Comment tu faisais pour vivre pendant ces 3 années-là? Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à ne pas consommer sans médication? Ah, les meetings, clairement, mais je pense que si je ne me trompe pas, les syndromes de troubles bipolaires, ça se développe au début de la vingtaine. Ouais. Moi, ça venait de commencer. Encore. C'est ça, je pense. J'avais des dépressions ados liées à mon comme crise d'identité puis l'adolescence, mais je n'avais pas encore de switch manie, dépression. En fait, dans la littérature médicale, quand on parle de maladie affective bipolaire, c'est assez récent qu'on identifie des signes et des symptômes chez les enfants. Entre autres, la dépression majeure chez un enfant, c'est un signe précurseur de maladie bipolaire. Oh. Mais qui va diagnostiquer une dépression chez un enfant? Ben, moi, là, j'ai commencé à avoir des psychologues à 6 ans parce que je voulais mourir. Ben, ça, c'est des signes précurseurs. Vouloir mourir à 6 ans, c'est pas normal, non, c'est clairement. Ça. Mais il paraît qu'il peut s'exposer de 12... Il peut s'étaler de 12 à 20 ans entre le premier épisode de symptômes et le diagnostic adéquat. C'est pour ça que je te dis que tu étais très chanceuse et brillante, probablement, de l'accepter puis de l'amener, là, puis d'écouter les docteurs, en fait. Ouais. Parce qu'à cet âge-là, accepter une maladie comme ça, ça doit vraiment pas être évident. Là. Puis d'accepter le traitement, puis à quelque part, ça prouve autre chose. Ça prouve que les gens qui ont des problèmes de santé mentale, même si on recommande pas, peuvent quand même consommer. Hein? C'est pas parce que tu as un problème de santé mentale que tu ne peux pas consommer, soit de façon addictive ou récréative, mais on dit souvent, hein, problème de santé mentale, il faut éviter toute substance. Qu'est-ce que tu dirais à ça, toi? Moi, je trouve que, tu sais, moi, comment je gère ma santé mentale, c'est pas juste drogue, pas drogue, c'est plus habitude de vie. Oui, c'est la médication. Je prends ma médication religieusement maintenant, parce que j'ai été longtemps à résister et à pas vouloir les prendre. Mais c'est surtout bien dormir, manger, 3 repas par jour équilibrés, pas trop de stress, de gros stress majeur. Ça, des fois, c'est inévitable, évidemment, mais essayer de calmer les stresseurs, tu sais, c'est vraiment plus ça. C'est ça autant que la médication qui m'aide à rester stable maintenant. Tout à fait, le mode de vie. Le mode de vie, tu sais.
Fait que la drogue, tu sais, ça inclut là-dedans. C'est sûr que je passe une binge de 4 jours, je mange pas, je dors pas, ça va nuire à ma santé mentale. Mais si je consomme, puis que je mange, je dors, tu sais, que je consomme, mettons, une fois par jour, récréativement, puis que j'ai réussi à garder un contrôle là-dessus, je pense pas que c'est ça qui nuit à ma santé mentale nécessairement, là. OK, c'est intéressant d'entendre ça, parce que, tu sais, il y a quand même des associations qu'on dit... ben, je vais te poser la question, est-ce que tu fumes du pot? Oui. Maintenant, oui. C'est assez récent. Mais je fume un joint le soir avant de me coucher. Okay. Tu sais. Mais c'est une substance que tu n'as pas toujours tolérée. Oui, effectivement. C'est ça que chez les gens qui ont des problèmes de santé mentale, c'est drôle parce qu'une substance aussi omniprésente et banalisée que le pot. Moi, j'ai des patients, puis tu me diras, je me trompe, qui vont avoir, fument du crack, prennent de l'héro ou de la méthadone, mais ils ne tolèrent pas le cannabis. Moi, dans le temps, je disais, voyons, je vais aller me shooter un point d'héro puis faire un quart de coke, mais je fume un joint puis je suis paranoïe. Là. Bon, c'est super intéressant. Ou je suis pas bien, je suis tellement gelé, je suis plus capable de dormir, je suis plus capable de marcher, je suis plus capable de rien faire. Là. À cause d'un joint. J'ai 3 heures paralysé sur le coin de Saint-Laurent-Cherbourg à Montréal après 2 tokes de hache qu'on a faites dans Ruelle. J'ai 3 heures sur le coin à dire à mon chum, dis au monde que je comprends pas ce qu'ils me disent, puis parce que le monde me parlait, tu sais, j'étais comme 10 heures que je comprends pas parce que je suis trop gelé, tu sais. Est-ce que je peux te demander, puis Daniel, si je pose trop de questions, interromps-moi. Vas-y. C'était quoi ton meilleur trip de drogue à vie? Ou le trip qui t'a le plus rendu addictif parce que c'était trop... Après ça, je vais te demander le contraire. OK. C'est clairement ma première puff de crack. Là. Moi, je sniffais de la coke. J'ai rencontré un gars que je connaissais d'avant qui lui fumait du crack. Je l'ai invité chez nous. Je lui ai dit, je m'achète de la coke. Je lui ai dit, non, je fume du crack. Je lui ai dit, non, ça me dérange pas. Je veux essayer, tu sais. Mais je veux pas savoir comment faire. Fait qu'il y a Cook. Je dis, tiens, pipe, tiens, lighter, tu fais tout. Moi, je veux rien savoir comment faire. Je veux pas pouvoir le répéter, tu sais. Fait que c'est ça, faire la première preuve de crack. Écoute, je me suis dit, ça y est, c'est ça le paradis, là. C'est, ça veut pas aller mieux que ça, là. Qu'est-ce que ça fait? Ça donne un orgasme. Les oreilles qui cillent, la vision qui change, les couleurs plus belles, le son engourdi. C'est vraiment spécial, là. Mais ça dure pas. C'est ça que je cherchais toute ma vie, là. Mais ça dure pas. 5 secondes, 15 secondes, 30 secondes, tu sais. Puis ça vaut la peine de recommencer. Ben, ça donne le goût de recommencer. Ça donne juste le pour goût, le bénéfice de tout le monde, c'est quoi du crack? Du crack, c'est de la coke qui va être cuite avec soit de l'ammoniaque ou du bicarbonate de soude. Alors, en général, le monde va appeler ça freebase ou crack, dépendant avec quoi c'est cooké, mais... On dit de la puff. Ouais, c'est de la puff, c'est du crack, c'est de la freebase, c'est... Ouais, il y a bien des... Donc, t'es-tu d'accord de la cocaïne fumée? Quand on dit que le crack, la première fois que t'en fais, tu peux accrocher pour tout le temps, c'est vrai? Dans mon cas, c'est vrai. J'ai pris une puff, j'ai dépensé 3 000 en 3 jours. Aïe, ça coûte avec moi et un autre gars. Là, comment ça coûte une roche? 20 $. Encore? Ben, oui, encore. Mais là, avec la COVID, des fois, c'est rendu 25 là, parce qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement. Plus cher encore. C'est la première fois depuis l'histoire de la cocaïne que le prix monte. Oui, avec la pandémie. Parce que la coke a toujours. Dans les années 80, c'était 20 $ le corps. C'est encore 20 $ le corps. Puis là, ça vous avez monté à 25 des fois. Ouais. Donc, 25 $ pour un trip de 15 secondes très intense, puis peut-être 5 minutes maximum. Ouais, mettons 15 secondes de rush, 5 minutes d'être allumé, peut-être une heure avant les 4 de dormir, tu sais. Mais le pic est tellement intense que tu ressens plus l'effet d'être en consommation, même si tu l'as encore, tu sais. Puis en rétrospective, tu l'aurais-tu pris, cette première puff-là? Tu l'aurais essayé pareil? Je suis pas du genre à avoir des regrets puis à me dire j'aurais pas dû faire ça. Ça m'a amené à des places que j'aurais pas été, puis ça m'a fait vivre les choses qui m'ont fait que je suis maintenant, tu sais. Je suis pas du genre à me dire si je pourrais changer quelque chose dans le temps, est-ce que je. Non, tu fais bien. Je fais, tu fais très bien, puis moi, je pense que, comme je le dis des fois, dans notre CV, on devrait mettre nos traumas, puis ce qu'on a vaincu, ce qu'on a survécu à, ce qu'on a passé à travers, ça fait partie de l'expérience de vie plus qu'un diplôme universitaire, peut-être, je pense. Bien, c'est un peu comme ça que tu es devenue père aidante et intervenante. Ben oui, c'est ça. T'sais. Ben, j'ai commencé, moi, j'ai commencé par être messagère pour plein milieu, qui est comme un programme de réinsertion pour les gens dans la rue, qui donnent du matériel sur la rue, mais c'est vraiment flexible, c'est très adapté à ta réalité. C'est des chiffres de 2 heures, 3 fois par semaine. Tu peux caller malade, ben off. N'importe quand, tant que c'est 2 heures avant, puis tu sais, c'est vraiment adapté pour comme une réinsertion un peu. OK. Puis après ça, tu peux continuer à consommer pendant ce temps-là? Oh, oui, tant que tu consommes pas 2 heures avant ton chiffre, puis genre, tu sais, des petits cadres de même, mais c'était flexible, tu sais. On est loin des tests d'urine d'une grande compagnie qu'il faut pas qu'il y ait de potes dedans. Non, c'est ça. T'sais, puis c'était vraiment le fun parce que ça m'a permis de me réadapter un peu à travailler, avoir un horaire, un rythme de vie, une routine. Puis après, j'ai réussi à me trouver un emploi temps plein à l'actitude, tu sais. Qui est un organisme en défense de droits des personnes utilisatrices de drogue, qui a un journal qui s'appelle L'Injecteur. Ouais. Puis de là, tu sais, ça a juste continué, là. Puis... Ça, c'est à quel âge, ça? Mon Dieu, je suis tombée pas mal dans le temps. 25, 26. OK. Mais entre 21 et 25, c'est ça. J'ai arrêté de consommer 4 ans et demi. Puis un année, je suis en grosse manie, je bois une bière avec un gars, tu sais.
Puis ma mère me dit, c'est fini, tu dois aller reprendre ton jeton du nouveau, tu as scrappé ton 4e d'abstinence. Pas méchamment, là, juste comme, il va falloir que tu retournes au meeting, prendre ton jeton d'abstinence, il faut que tu recommences, tu sais. Puis je me dis, ben là, tant qu'à avoir perdu 4,5, je vais me péter à la face pour que ça vaille la peine, tu sais. Fait que, c'est ça, parti une grosse dérape de coke assez rapidement, là, comme une semaine après, là, ma bière. Coke. Cocaine sniffée dans le temps, ouais. Sniffée. Jusqu'à l'événement que je te parlais, jusqu'au crack. Ça va dégénérer vite, tu sais, quand ils disent... D'invités que souvent, ils disent que tu reprends ou t'as arrêté et tu vas plus loin encore. Moi, j'avais repris à sniffer, puis en dedans de 6 mois, j'ai pas fait à m'injecter. Donc, tu t'es injecté de la coke. De la coke, de l'héroïne, de la morphine, de la pour kétamine. La première fois. Je suis rentrée... J'ai commencé à puffer 3 semaines après, je suis rentrée en thérapie, parce que j'étais comme, mon Dieu, je veux pas repartir sur ce chemin-là. C'est, tu sais, 3 000 en 3 jours. Après? À peu près, moi, je rappelais pour de l'aide pour aller en thérapie. Là. C'est hot. Mes parents ont fait une genre d'intervention aussi. J'étais rentrée chez moi, puis toute ma famille était là, puis ma tante pour me dire, on tient à toi, fais attention, t'es sa rechute. C'est quand même incroyable que ta famille t'ait jamais pas laissé tomber, mais on en entend des histoires de monde qui ont renié leur famille eux-mêmes ou que leur famille ne veut plus rien savoir d'eux. Toi, tu as toujours gardé le lien avec toujours. Ta famille. J'ai parlé à ma mère tous les jours toute ma vie. Puis est-ce que tu penses que ça t'a gardé en vie? Clairement. Tu sais, il y a beaucoup d'intervenants qui disent à ma mère, il faut que tu give up, il faut que tu coupes les ponts, il faut que tu arrêtes de l'aider, tu peux pas être là pour elle, tu l'aides pas à s'aider, tu sais. Ma mère a toujours dit, non, mais ma fille, elle va savoir que je suis toujours là pour elle, puis je vais toujours être là pour elle. Puis oui, quand j'ai besoin d'aide, tu sais, je sais qu'elle est là. Ça l'a compté. Clairement. Ma mère, c'est mon phare dans la tempête. Là. C'est peu importe ce qui se passe, je sais qu'elle est là. Le message que tu enverrais aux gens qui consomment, c'est don't burn the bridge. Ouais. De ne pas couper les ponts si c'est possible. Mais tu sais, il y a des mesures à mettre quand même pour aider la. Une année, ma mère m'a dit je peux plus te prêter d'argent parce que si je te prête 20$ et que c'est le 20$ qui te tue, que c'est le 20$ que tu fais une surdose sur, je pourrais jamais me le pardonner, tu sais. Puis j'ai rien d'argument à dire contre ça. J'ai fait comme OK, tu sais. Puis c'est, je trouve que c'est correct. C'est pas nécessairement m'aider que me donner de l'argent pour que j'aille, j'aille consommer, tu sais. Mais donc. Comment tu faisais pour payer ça? Oh mon Dieu, mais moi, j'étais. Je quittais au char, je quittais avec une pancarte assez à terre au début, j'ai pensé à quitter au char, je fais du squeegee, laver les voitures avec un squeegee. Quitter à coup de squeegee puis de quittage au coin d'une rue, il faut que t'en fasses des fenêtres avant de te payer une rush, non? C'était surprise. Ouais, ah oui, ça peut aller vite. C'est, ouais, mais t'es une belle fille, t'es. Ouais, souriante. J'avais un beau style, là, j'étais punk avec mon long mohawk de dread. Ça puis... pognait. Oui, oui, mais moi, je suis dans un coin de rue dans l'Est, je pouvais faire 100$. Juste à marcher avec mon verre. Là, 100$ 100$, oui. C'est plus comme ça, non? Ben, avec la COVID, il y a moins de trafic. Le monde traîne moins l'argent comptant. Ça a un peu changé, mais... Ouais, dans le temps, je faisais 200$ en 2 heures tous les jours. À quêter puis à laver des fenêtres. Ça, ouais. C'est intéressant. C'est vraiment... Wow, j'aurais jamais pensé ça. C'est un peu le secret de Polichinelle. Là, quand on se fait interviewer par la télé, où les gens demandent comment vous faites, on dit... Ah, 10$ une bonne journée, tu sais, ça va minimum. Puis le monde se dit, ah, c'est pas pire, tu sais. Mais dans les faits, on fait... Okay. Ouais, c'est ça. Entre 50 et 100$. Puis est-ce que je peux me permettre de te demander si ta consommation, ton mode de vie t'a mené à faire des choses, je veux pas savoir les détails, mais des choses qui ont mis ta légalité en jeu, des choses illégales ou des choses qui ont mis ta liberté en jeu? Oui, ben, je suis quand même à l'aise d'en parler, là, mais moi j'avais une opportunité, quelqu'un m'avait approché pour vendre des substances. Puis vu ma consommation hors de contrôle de cocaïne, parce que la cocaïne c'est très très cher. C'est comme... Dans ce cas-là, je m'injectais de la cocaïne, mais c'est un peu comme fumer du crack, mais... C'est ça, à 20$, c'est aussi compulsif, mais... Fait que tu peux t'injecter quoi, jusqu'à 20 fois par jour, à peu près. 20$ de la shot, tu sais. Fait que ça monte très, très vite, fait que ça prend beaucoup, beaucoup de sous. T'arrêtes jamais, là, tu sais. Puis, fait que j'ai eu l'opportunité de vendre. Mon copain venait de partir, fait que je paye mon loyer, fallait... C'est tout mon chèque de BS allait dans mon loyer, puis j'avais plus d'argent. Fait que je dis, OK, je vais le faire. Puis 3 jours après, je me suis fait prendre pour trafic. Oh non, avec ma lourde au complet. T'étais pas dédié à cette carrière-là. En thérapie, après ça, il me disait, pense à ta carrière criminelle. Puis j'étais comme, trois jours. Là. J'ai même pas fait de profit avec ça. J'ai vendu une lourde, il m'a reloadé. Je suis parti avec ma lourde, puis je me suis fait pogner, tu sais, avec 200 comprimés de morphine. Là. Ce qui était finalement un mal pour un bien. Oui, parce que ça m'a un peu. Ça m'a sonné des cloches, là, tu sais. Après ça, je suis allé en thérapie 6 mois. As-tu été obligée d'aller en dedans? J'ai fini par faire 90 jours de fin de semaine. Puis là, j'ai eu mon 6e là-dessus. J'ai fait cette fin de semaine, mais... Parce que ça, c'est un sujet qui fascine les gens, là, les prisons. Moi, j'ai travaillé 4 ans dans les prisons fédérales. Ouais. Prison provinciale, j'étais déjà entrée pour donner des formations, mais pas beaucoup. Mais j'ai jamais vu la prison provinciale pour femmes. Mais si t'avais une chose qui devrait changer dans les conditions de la détention chez les femmes, par exemple... C'est quoi que tu dirais qui c'est quoi le pire? À part de perdre sa liberté, c'est-tu la bouffe? C'est-tu les autres? C'est-tu l'espace que t'as? C'est-tu les gardiens? C'est l'approbation? L'approbation, qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
L'approbation, ben, que les trois ans de probation qui viennent après. Ben, les conditions de probation, comme de ne pas consommer, puis tout ça. Ah oui, moi, il m'a mis des conditions. J'avais été barrée de l'île de Montréal pendant tout le temps de jusqu'à ma sentence. Il m'avait interdit sur l'île de Montréal. J'avais pas le droit de consommer. Fait que là, c'est sûr que ça devient un peu comme... Mais c'est-tu réaliste? Non, c'est pas vraiment réaliste, honnêtement. Puis moi, j'avais dit, tu sais, tu peux pas m'empêcher de venir à Montréal. Puis la juge m'a dit, on veut t'aider, veux-tu t'aider? Fait que là, évidemment, j'ai accepté. Mais tu sais, c'est vraiment contraignant. C'est pas vraiment réaliste. Puis c'est pas vraiment... J'ai pas besoin d'arrêter de consommer pour reprendre ma vie en main, tu sais. Puis j'ai reçu une belle preuve maintenant. J'ai une voiture, j'ai un appartement, j'ai un chien, j'ai un chum stable. Puis deux jobs. Puis je consomme, puis deux jobs, puis que j'adore, puis je consomme, tu sais, pratiquement tous les jours, tu sais. Puis genre, fait que tu sais, je pense pas que c'est un prérequis à reprendre sa vie en main que d'arrêter de consommer, puis de l'exiger des gens sous peine de. Sous contrainte de peine de sentence criminelle. Je trouve que c'est pas gentil, là. C'est pas gentil, puis c'est pas réaliste non plus. Puis je suis contente de l'entendre dire de quelqu'un qui l'a vécu, parce que moi, j'ai jamais été là-dedans, de l'approbation, j'ai jamais été, mais j'ai été témoin de tellement de patients. Puis même des personnes que je connais qui ont été ramenées en prison pour avoir reconsommé une ou deux. Pour un problème de santé, c'est ça qu'il n'y a pas... C'est un problème de santé. Oui, bien, puis c'est un crime qui n'a pas de victime, tu sais, en ça, je suis... C'est ça. À part faire du mal à moi-même, je ne fais pas mal à personne, donc pourquoi je serais criminalisée pour ça? Absolument. Ouais. Donc, on en vient à la décriminalisation des drogues puis de la possession simple. C'est sûr que ce serait un aboutissement ultime idéal. Ah, ultime idéal, moi, je dirais la légalisation de toutes les drogues. Oh boy, on en serait là. Ah oui, je suis vraiment une radicale là-dessus. Je suis pas surpris que tu penses ça. Comment tu gérerais ça? Ah, je sais pas encore, mais je sais que le monde meurt parce que les drogues sont pas clean, puis que les drogues sont pas médicales, puis que les drogues sont pas... Parce qu'on sait jamais ce qu'il y a dans la drogue, puis la pureté, puis la qualité. Puis la seule manière de régler ça, c'est de... C'est contrôler la qualité. Drogues, puis de contrôler la qualité, puis de... d'avoir accès à du safe supply médical. C'est quoi ça, du safe supply? Ah, ben le safe supply, c'est... Ça a commencé il y a quelques années. Dans le fond, c'est de donner... Ben, présentement, c'est plus de la morphine qu'ils donnent. C'est de donner des opiacés prescrits à des gens qui consomment des opiacés sur la rue pour éviter qu'ils aillent les acheter sur la rue puis qu'ils en meurent. Fait que moi, j'avais eu accès à ça quand j'avais été retombée sur mon programme de méthadone après être revenue à Montréal après ma thérapie. Mais... Fait que j'avais ma méthadone, puis on me donnait quelques comprimés de dilazide par jour que je m'injectais, que le médecin était ouvert, que je m'injectais. Ça m'évitait d'avoir envie de consommer, puis d'aller en chercher sa rue, puis d'acheter du fentanyl ou de l'héroïne contaminée ou des fausses dilazides au fentanyl. Puis j'en ai consommé ça aussi. Là. Je suis tombée là-dessus une fois. Là. Puis. Sur du fentanyl? Des fausses dilazides faites avec du fentanyl. Les green beans. Pas les oxydes. Ah, les faux dilos. Le dilo 8, là. Pareil comme dilo 8. Blanc en triangle. Mais le 8 n'est pas pareil dessus. Le petit logo n'est pas pareil. Tu l'avais remarqué? Le gars qui nous les avait vendus nous avait avertis. Mais on ne trouvait rien d'autre que nous avait acheté. On avait splitté une 4 à 2. Puis on était très, très gelés, là. Très, très intoxiqués. Puis le gars qui était avec nous, il avait fait une 8 au complet. Puis il était très habitué à faire du fentanyl. Puis on pensait qu'il était mort. Puis, on lui a même pas donné de naloxone parce qu'on pensait pas que ça valait la peine, on pensait qu'il était mort. Puis il s'est réveillé. Aïe, aïe. Et il s'est réveillé 6 heures plus tard. Oui, mais c'est ça, on s'est dit. Il était assis sur une table à pique-nique, la face sur le plancher, les fesses sur le banc. Puis on s'est dit, rien à faire. Là. Vous avez même pas appelé, on s'est dit que c'est con de même. On s'est dit, on ne l'avait pas, puis on s'est dit. Waouh! Toi, puis... ça t'est-tu arrivé, ça? Puis ça a-tu eu un impact si c'est arrivé, genre? Des surdoses? Ouais. Mon Dieu, ben trop souvent. Là, ouais. Mais... Surdose de quoi? Ben, ma première surdose à 21 ans, j'avais fait un... Ce que la personne appelait un disco ball. C'est coke, héroïne, MDMA dans la même seringue. De la MDMA en injection? Ouais, ben moi, je m'injecte régulièrement. Régulièrement. Quand je fais de la MDMA, je l'injecte. OK, tu vas nous en parler. OK. Mais j'avais fait ce qu'on appelle un disco ball. Donc, coke, un speedball, c'est coke, héroïne. Un disco ball, c'est coke, héroïne, MDMA. Donc, un stimulant, un dépresseur, un perturbateur. Ton cerveau comprend plus rien. Le gars a fait mon injection, j'ai levé les yeux. Il y avait une toile au mur à peu près autour d'ici. La toile est partie au plafond. Je me suis réveillé 6 heures plus tard, 3 arrêts cardio-respiratoires, le corps de mes poumons rempli de vomi. Où? À Notre-Dame. À l'hôpital? À l'hôpital. Instantanément, après l'injection. J'ai rien eu connaissance. T'as pas eu de bol? J'ai regardé, j'ai levé la tête, le corps est parti au plafond, puis aucun je me suis réveillé à l'hôpital. Pas eu le temps, là. Je suis instantanément overdosé. Ça, c'est la première fois que t'as fait ça. Mais le gars me disait que... Ce cocktail-là. Ouais, mais j'avais jamais injecté de MDMA. Ça faisait 6 mois que j'avais pas fait de la coke par injection, puis j'ai été injecté de l'héroïne 2 fois. OK. C'était peut-être pas la meilleure idée. Ouais, t'avais pas une très grande tolérance, hein? Non, c'est ça, tu sais. Puis le gars, il était comme, ah, t'es capable d'en prendre, t'es quand même grande, t'es costaud, t'es capable d'en prendre. Je faisais confiance, mais moi, ça... Est-ce que on peut dire que c'était ça ton pire trip? Ouais, probablement. Ouais, ben, c'est pas un trip, là. C'est juste Non, mais ta pire expérience. Ouais, clairement.
Puis tout le long, je me disais, je peux pas mourir parce que le gars qui m'a fait mourir devant aller en prison pour manslaughter, tu sais, meurtre au troisième degré. Puis là, je pense que c'est ça qui me gardait en vie. Je voulais pas qu'il est en prison pour mon meurtre. Mais quoi, tu te rappelles? T'as des flashs? Ben moi, je suis convaincue que j'ai parlé aux ambulanciers dans l'ambulance, qui apparemment était impossible parce que j'étais intubée. Inconsciente. Inconsciente et intubée, puis tu sais, il fallait qu'ils me défibrillent, puis tout, tu sais. Fait que j'étais pas là, puis j'avais un tube dans la gorge, fait que j'ai clairement pas parlé aux ambulanciers, mais. T'as-tu vu une lumière blanche? Non, c'est ça. J'ai vu je me rappelle du cadre, je me rappelle du plafond. Je me rappelle d'avoir dit aux ambulanciers, appelez pas ma mère, mais c'est vrai que c'est pas vrai. Puis je. Mais tu t'es réveillée à l'hôpital. Mais dans ta tête, il se passait quelque chose, t'as des souvenirs. Oui, j'ai des souvenirs de ça, de l'ambulance, des ambulanciers qui rentrent, mais je n'étais pas consciente. Puis ça a changé quoi pour la suite des choses? Ça a-tu changé quelque chose? Ben, j'étais bien maganée quand je suis sortie de l'hôpital. J'étais même pas capable de marcher, fallait qu'il me mette dans la chaise roulante. Il avait coupé mes vêtements. Ça, j'avais le même chandail que Marie-Ève sur le dos en ce moment, exactement le même. Il l'avait coupé, puis je l'aimais tellement que j'avais recousu après pour continuer à le porter. Arden Power. Puis, mais j'étais très maganée. J'étais pas capable de marcher. J'avais des côtes. Pas cassé, mais faillé. Il y avait eu des défibrillations, il y avait un tube dans ma gorge, il y avait nettoyé mes poumons, j'avais une pneumonie par respiration. Fait que j'étais deux semaines chez ma mère à me reposer. Deux semaines après, je suis retournée à Montréal parce que je voulais aller dire au gars qui a fait mon hit que j'étais correcte. Puis je suis repartie à conso. Ouais. Fait que ça a fait peur. Mais là, mon père était comme, qu'est-ce qui va t'arrêter si ça t'arrête pas? Mais j'étais comme, on a tous nos seuils de. Ça peut être un petit événement qui te fait comprendre. Quelque chose, puis il y a des gros événements qui font rien, tu sais. Chacun a comme sa révélation qui vient à un moment ou à un autre, là, tu sais. Son tout éveil, ouais. Les éveils spirituels qu'on appelle des fois, là, c'est des prises de conscience, puis c'est vrai ce que tu dis. Ouais. C'est pas les pires affaires, des fois, qui font la plus grande prise de conscience. Des fois, c'est un petit geste, une personne qui t'abandonne. Mais oui, j'étais dans une relation toxique, puis des fois, il arrive des gros événements, tu sais, tu te fais battre ou tu te fais whatever, puis genre, tu restes avec la personne, puis maintenant, il fait une petite affaire. Pis c'est fini. J'ai le déclic, ça fait comme un déclin dans ta tête, puis t'es comme non, c'est fini, je suis plus capable, puis là, tu me fais en relation, puis t'es capable de le faire, tu sais. Mais c'est pas toujours des gros événements qui font les déclics, tu sais. T'as déjà vécu ça, un déclic? Ah, ben avec mon ex, là, mais j'avais une relation très, très toxique. Mon ex, il me forçait à faire de la prostitution, puis on consommait pas, là. Il me forçait à pas consommer, là, ce qui a l'air. C'est un peu. Paradoxal, là, parce qu'on sait bien que c'est bon pour moi de consommer, mais de me forcer à le faire quand j'ai genre 28 ans, contre mon gré, puis là, tu sais, je consommais quand même, mais quand je consommais, je me faisais péter des coches. Puis c'était à beaucoup de violence conjugale, d'harcèlement, violence physique, psychologique, monétaire, blablabla. Bref, puis il m'a dit qu'il m'avait trompé, ça a été correct. Puis il m'a dit, c'est de ta faute, je t'ai trompé, puis là, ça fait. OK. Si ça, c'est de ma faute, tout va toujours être de ma faute. Puis je l'ai laissé, puis ça a fini là. Ça a duré combien de temps, cette relation? Trois ans, puis comme... Mais on se pose toute la question, là. Je veux dire, le nombre de femmes qui ont été victimes de violences dans la population, si on inclut la violence psychologique, la violence matérielle, la violence financière, puis la violence physique ou sexuelle, c'est fou, là, le nombre de femmes. Mais moi, ce que je veux te demander, puis très honnêtement, là, pourquoi 3 ans? Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans une relation toxique comme ça, alors que tu savais que c'était toxique ou j'essaie juste... J'avais déjà sorti un an avec, où c'était très, très, très toxique. On a continué à se parler on and off. Il y avait une agression sexuelle dans le temps. Il m'a rappelé 8 mois plus tard en me disant, je suis en thérapie, j'arrête de consommer, je veux changer, je te veux dans ma vie. J'ai dit, OK, deuxième chance. Lune de miel au début, évidemment, parce que la lune de miel, c'est une grosse partie, parce qu'après, ça commence à mal aller, puis t'es comme, ah, c'est une mauvaise pause, ah, ça va revenir... Ah, c'est peut-être moi qui fais quelque chose de pas correct. Ah, on a des affaires à travailler comme tous les couples. Puis là, à un moment donné, t'as juste honte parce que tout le monde t'a dit qu'il était pas bon pour toi. Puis tu veux pas admettre que t'avais tort. Fait que là, tu restes un peu plus longtemps. Puis là, éventuellement, ils te coupent de tes réseaux sociaux, un peu, ils t'isolent. Ils te laissent plus vraiment. Moi, quand j'allais voir des amis, au bout de 15 minutes, je pouvais jamais rester plus que 15 minutes quelque part d'autre qu'avec lui parce que. Il pétait des coches, il faisait des menaces de suicide, tu sais. Qu'est-ce que tu dirais à n'importe quelle fille qui est dans ou gars, parce que des hommes en couple. Gay, oui, ou même des hommes en couple avec des femmes comme ça, contrôlantes à l'extrême, c'est de la violence. Là. Quel message t'enverrais à ces gens-là avant qu'il arrive quelque chose de pire? Ou tu sais, on parle de féminicide, on parle... Ouais. Quel message tu dirais à une fille qui était poignée comme t'étais poignée, mais que tu le voyais pas? Moi, je dirais, tu peux pas l'aimer plus que tu t'aimes toi. Mais tu t'aimais-tu? Ben, pas assez pour me choisir. Hein? C'est ça. Tu sais, c'est un travail sur soi. Là. Tu peux pas aimer plus quelqu'un que ce que... Tu peux pas donner plus de respect, puis de crédit, puis de...
d'amour à quelqu'un que ce que tu te donnes à toi-même, tu sais, parce que sinon, tu vas toujours finir des relations comme ça, tu sais. Mais pourtant, quand on t'écoute, on a l'impression que tu lui donnais plus d'amour que tu t'en donnais à toi. Ben, c'est ça, mais j'ai fait un gros cheminement personnel là-dessus. Okay. Là, fait que c'est un long cheminement. J'étais en ressources de violence conjugale pendant quasiment 6 mois, puis avec des suivis intensifs, des ateliers, des... Ouais, ça se peut. Un gros travail. De s'en sortir. Oui, oui, clairement. Puis c'est juste de choisir puis de dire c'est assez, mettre son pied à terre, mettre ses limites, demander de l'aide. Puis il y en a plein d'aide pour les. Surtout avec les féminicides pendant le COVID. Tout, les ressources d'hébergement en violence conjugale, c'est des personnes fabuleuses. Mm-hmm. Ils font un merveilleux service. Puis genre, on se sent tellement bien là-dedans. Là, mais genre, tu sais, faut que ça vienne de toi, faut que tu sois prête. Mais c'est ça, faut juste de choisir, je pense. C'est toute une job de se choisir. Là. Ouais, c'est la job d'une vie, quasiment, autant pour les hommes que pour les femmes, je pense. Tu sais, on a parlé beaucoup de consentement, puis MeToo, puis tout ça, mais à la base, là, ça touche pas une minorité de la population. Moi, je connais personne qui a pas subi une agression sexuelle. Ben, j'osais pas le dire. Là. J'ai arrêté de compter après 5. Mais MeToo, c'est tout le monde, je pense. Il y en a eu beaucoup, des abus, tout. Ça peut être pas nécessairement un membre de la famille, un voisin, un gardien, un ami, un collègue. Ça n'a pas besoin d'être un viol violent. Non, non, moi, non, j'ai non. Une amie, c'est ça, qui se fait écraser la tête dans le mur, qui se fait battre. Ça n'a pas besoin d'être comme ça, pas comme dans les films tout le temps. Mais une violence sexuelle, je pense que tout le monde... Ils disent 1 sur 3, mais tu sais, c'est... Moi, en tout cas, je connais personne qui a jamais vécu rien de violent sexuellement. De la pression de son copain qui couche avec elle pendant qu'elle est endormie. Du mépris. Ouais. Hey, mais parlant de ça, Dan aussi, j'aimerais savoir ton opinion là-dessus. Quelqu'un qui est wipé sur le jus, mettons, quelqu'un qui est en overdose d'opioïdes ou de benzo ou coma éthylique ou GHB, une relation sexuelle avec une personne dans un état comme ça, comment vous qualifiez ça? Est-ce que c'est un viol? Est-ce que c'est une semi-agression? Est-ce que c'est un non-consentement? Est-ce que c'est un consentement parce que la personne est saoule, puis elle est en blackout, puis elle est allumée, mais elle s'en rappellera pas le lendemain? Ça dépend du niveau. Ouais, si la personne est pompette, puis qu'elle dit « ça me tente », c'est correct. Mais, aussi, mais c'est bien sûr de gager le niveau d'intoxication de l'autre. Ouais. Si la personne est complètement wipée, inconsciente, sous le jus, et les yeux révulsés, quasiment en convulsion, puis t'en couches avec, oui, c'est un viol. C'est un viol, exact. Il n'y a plus de contact, consentement. Il n'y a même pas de consentement possible. Pis, déjà, mets-toi dans la tête de la personne qui couche avec. Comment t'es supposé être attiré par quelqu'un qui est inconscient, sans bouger, qui a les yeux fermés? Faut être fucké. C'est pas ça, une relation sexuelle. Là. Une relation sexuelle, c'est consensuel. C'est deux individus qui ont envie de coucher ensemble. À partir de ce moment-là, tu dois peut-être te poser des questions sur ta sexualité. T'sais. Oui, même une fille trop saoule, semi-consciente, qui est molle comme un chiffon. Je sais pas. T'sais, moi, je me pose la question du côté de la personne qui couche avec. Si ça t'attire, il y a peut-être un problème. Oui, effectivement, c'est une très bonne réponse. Ouais. Toi, Dan, la notion de consentement. Ben oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Puis tout ce que tu dis fait de toi une excellente thérapeute. C'est clair là, qu'avec toute cette expérience-là, les réponses que tu donnes à Marie, puis je t'imagine bien avec des gens de la rue ou des gens qui viennent vous voir, tu sais, parce que tu l'as vécu, puis tu le sais quoi. Tu sais, pas prétendu avoir tout tu sais qu'est-ce qui se passe. Non, mais tu sais qu'est-ce qui se passe. Ah oui, tu sais, puis... Quand la personne vient te voir avec une problématique XY, t'as compris. Mais je pense... Des fois, je me dis, tu sais, dans la meilleure équipe, le meilleur contexte d'intervention, c'est d'avoir des gens qui ont beaucoup de connaissances avec des gens qui ont beaucoup de pratiques, parce que des fois, on devient biaisé par nos propres expériences. Puis des fois, les gens qui ont beaucoup de connaissances viennent biaiser par le concret qu'ils comprennent pas, tu sais. Fait que genre, je trouve que dans le meilleur cas, ça prend un peu des deux, tu sais. Ouais, c'est, dans ma tête, c'est ça le meilleur mix. Toi, t'as-tu en plus étudié là-dedans? Oui, mais au début vingtaine, quand j'étais dans mes 4 années de sobriété, j'avais fait un AEC en intervention en toxicomanie, j'avais débuté un certificat en criminologie, j'avais fait une formation en zoothérapie. Fait que oui, j'en ai quand même, mais c'est trop loin pour... Tu sais, je mets plus mon... Fait que ce que tu fais aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup le résultat de ton expérience, plus que les études que t'as faites. Oui, pour moi, oui. Je me mets plus le chapeau de père que le chapeau d'intervenante, même si je fais un peu les deux, tu sais, mais je m'identifie plus comme père que comme intervenante, là. Ouais. Ben moi, je t'identifie comme, d'abord, avant tout, Sandrine, qui a une vie fascinante. Mais moi, j'aurais une question sérieuse. Puis une question un peu plus anecdotique. L'héroïne, là, on s'entend qu'il y en a
plus vraiment, là. Ça n'existe plus, ouais. Il n'y en a plus vraiment. C'est toujours coupé au fentanyl, maintenant, parce que le fentanyl, ça coûte tellement moins cher. Mais t'as quand même connu l'héroïne. Ben oui, moi, j'ai connu ça en 2013, si je ne me trompe pas, 2014. C'est le début de la crise du fentanyl, mais il y avait encore de l'héroïne, c'est juste quelques mauvaises battes, tu t'es contaminé au fentanyl, le monde commençait à mourir du fentanyl. Puis, dans ce temps-là, on faisait des patchs de fentanyl. Fait qu'il y avait déjà du fentanyl, mais pas comme on connaît aujourd'hui. Dosé aussi. C'est ça, ben une patch, ça dure à doser dans le temps. Ben, mais... quand tu la coupes. Tu sais au moins qu'il y a 50 dans une patch. T'sais. Oui, mais il y avait même, moi, quand j'ai commencé, il y avait même les patchs que c'était coupé. Que des fois, c'était pas réparti égal. C'était pas réparti égal. Ouais, les vieilles patchs. Mais en fait, c'est pourquoi qu'on appelle ça la drogue de l'amour? Ah, ben, il y a des gens qui disent que l'héroïne, c'est meilleur que le sexe. Que l'héroïne, c'est comme un orgasme. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que l'héroïne, c'est pas comme un orgasme. L'héroïne, c'est comme après ton orgasme, quand t'es comme. Ah, okay. C'est ça, un boss d'héro. C'est pas l'orgasme. L'orgasme, c'est différent. C'est vraiment le sentiment de satisfaction puis le boost de dopamine que t'as après l'orgasme. Quand tu te recouches l'oreiller puis t'as un gros soupir de genre satisfaction, c'est ça ton boss d'héro. Fait que oui, c'est très addictif. Mais c'est vrai que ça fait dégueuler en malade la première fois. Quand t'as pas de tolérance, là, ouais, les premières fois, tu vomis, t'es comme, bah, je suis tellement bien, bah, j'ai jamais été bien mal de ma vie. Bah, crisse-moi patience, je suis bien. OK. Ouais. OK. Même quand tu. Ce qu'on appelle noyer, quand tu tombes endormi, là, le monde, c'est comme. Tu sais, maintenant, avec, surtout avec le fentanyl, tout le monde est comme. Ouais, c'est correct. Oui, laisse-moi tranquille. J'ai fait une surdose, mais une fois que mon ami était comme, t'as les lèvres bleues, tu vas mourir, il faut que tu bouges. Puis j'étais comme, ha, laisse-moi mourir, je m'en calisse, je suis bien. Genre, c'est ça, mourir, je veux mourir. Ouais, ça, c'est intéressant. Ça donne un sentiment d'indifférence. Ah oui, c'est du je m'en calisse, excusez. T'as pas besoin de personne, genre. Ta mère est morte? OK. Ouais. Ton chien est malade. OK. Mm. T'es dans la rue. So what? Il n'y a plus rien qui te dérange. Mais qu'est-ce qu'il faut dire à quelqu'un qui a peut-être un début de lèvres bleues, qui node? Est-ce qu'il faut aller le voir? Ben oui. Mais qu'est-ce qu'on lui dit? Comment on l'approche si on veut pas? Mais c'est important de se poser la question. Est-ce que je le dérange? Tu ne fous pas du narcan dans le nez. Non, c'est ça. Tu ne fous pas du narcan dans le nez. Tu regardes si la personne répond. Tu regardes si la personne est comme réveillable. Si elle commence à avoir les lèvres bleues, les ongles bleus. T'sais, mais tu commences qu'est-ce pas que avec tu une demanderais en premier, toi? Ah, je commencerais juste par une... Normalement, quand tu dis leur nom, les gens viennent quand même vite. Tu la connais pas? Si le nom marche pas, tu dis, si tu me réponds pas, alors j'appelle 911. Ça marche presque du coup. Puis mais si tu réponds pas, tu dis, la police arrive. Puis là, c'est pas vrai. Mais dans le temps où il n'y a pas de naloxone encore, c'était le Narcan, qui venait des gens, que seulement quelques ambulanciers avaient. Puis le Narcan, ça te faisait un gros sauvage provoqué. Fait que le monde se réveillait malade comme un chien, il avait plus de dope. Fâché. Il venait très, très agressif, il était fâché, tu sais. Tandis que maintenant, avec ça, c'est un peu plus modéré, puis genre, c'est plus accessible, tout le monde en a. Fait que, tu sais, c'est genre plus facile, mais dans le temps, t'avais pas toujours appelé une ambulance. On se demandait toujours, tu sais, la personne, veut-tu appeler une ambulance, elle va-tu à l'hôpital, elle va-tu être fâchée. Tu sais, j'ai des amis, moi, qui s'étaient fait tatouer du Not Resuscitate, là. Dans le cou? DNR, des places bien évidentes, là, ça veut dire 9h30 non, pas sur le mort. Là, ils ont ça de tatoué. T'es comme, j'appelle-tu la police, tu sais? Puis c'était vraiment ambigu un peu. Tandis que maintenant, avoir du naloxone. T'as-tu déjà regretté de l'avoir appelé la police? Ben, moi, j'avais un ami qui était allé dans la douche, je suis allé dans la douche après. Pendant que j'étais dans la douche, j'ai fait un deuxième hit. Je me suis réveillé, il était bleu sur le plancher de ma cuisine de chez mon père. J'ai appelé 911, puis quand il s'est réveillé, il était là, Matt. T'as scrapé mon bas, j'étais juste ben gelé. Jusqu'à ce que maintenant, j'en peux plus, puis je hurle. T'étais bleu, puis tu respirais plus. Puis là, il fait comme, oh, zing. Est-ce qu'il est parti avec les ambulances? Oui, ben, ils n'ont pas laissé le choix. Là. Ils l'ont voulu qu'il contentionne, parce que c'était trop agressif. Là. Ah, boy, OK. Il est parti avec les ambulances, puis après, les ambulanciers, ils l'ont laissé sortir à condition qu'il reste avec quelqu'un. Fait que j'étais venu le chercher à l'hôpital, mais ouais, ben, j'ai pas regretté. Dans ça, c'est pas un regret, mais sur le coup, j'étais plus sûr, là. Puis t'as-tu déjà regretté de pas l'avoir appelé? Non, je suis chanceux, mais j'ai jamais personne qui est mort sur ma watch. Là, OK. Dirais, là. Okay. J'ai déjà eu consommé avec du monde. Les gens n'avaient pas fini de consommer. Je suis partie, puis genre, après que je suis partie sur mon. Mais c'est jamais arrivé que. J'ai même jamais eu à administrer de l'analoxone. Ça n'a jamais. Je vois les choses du bois. Je ne sais pas si tu crois aux anges gardiens, mais on dirait que tu en as une colonie. Oui, définitivement. Tu as des anges gardiens. Moi, j'appelle ça comme ça, les anges gardiens. Dan, est-ce qu'il y a. Pour l'avenir. Le travail chez Dopamine, aussi pour l'organisme qui fait du sitting, ouais, dont j'oublie le... National Overdose Response Service. Oui, c'est ça. Puis tu te vois-tu encore faire ça un certain temps? T'as-tu des projets? Oui, j'ai une passion pour la réduction des méfaits puis les organismes communautaires. Là, je me vois vraiment rester là-dedans vraiment longtemps. La réduction des méfaits, ça m'a sauvé la vie dans ma tête. Tu sais, au moment où toutes les autres approches un peu give up sur moi parce que je ne fitais pas puis je n'étais pas capable d'atteindre leurs standards... La réduction de méfaits a toujours été là pour m'accueillir. Fait que c'est vraiment une approche dans laquelle je veux continuer à m'investir, tu sais. Puis rester dans le milieu d'une forme ou d'une autre.
Puis sinon, c'est juste garder mes acquis. Pour l'instant, je travaille beaucoup là-dessus. Là. Tu sais, rester stable, garder ma santé mentale stable, ma consommation stable, mon appart. Mais tu sais, c'est vraiment, je suis vraiment dans comme garder mes acquis en ce moment. Là. J'ai pas vraiment de projet fantastique pour le futur, là, mais... Projet ouais. fantastique, c'est toi qui vas les rendre fantastiques. Ben, moi, je trouve que Sandrine, elle en a un projet fantastique. C'est elle-même qui a décidé ça. J'aimerais ça que tu nous expliques. Oh. Qu'est-ce qui s'en vient pour c'est... toi? Ah non, ah oui, j'ai changé de... J'ai décidé de... Ben, je voulais... Je suis sur le Suboxone. J'ai arrêté mon self-employed maintenant pour avoir le Suboxone pour être plus stable pour travailler. C'est quoi, ça? Suboxone, c'est un traitement de substitution, traitement antagoniste d'opioïdes. C'est comme la méthadone? Ben, le Suboxone, au lieu... La méthadone, c'est un opioïde. Le Suboxone, ça vient bloquer les récepteurs d'opioïdes dans le cerveau. Ça fait que tu ne peux pas consommer à côté. Fait qu'il faut vraiment être rendu là. Mais il y a moins d'effets secondaires. C'est que ça fait si tu consommes mieux. Pareil? Ça fait rien. Ah, tu perds ta dose? Ouais, ça fait juste rien. OK. Comme année, tu... Parce que l'affinité, peux l'essayer, mais... parce que l'affinité de la Suboxone dans les récepteurs, c'est comme une clé dans une serrure, est plus forte que pour la drogue. C'est ça, puis tous tes récepteurs sont pleins par la Suboxone si t'es bien dosé, fait que tu ne sentiras pas les opiacés que tu consommes, juste les opiacés. Très bien, mais c'est très bien expliqué. Puis là, qu'est-ce que tu vas faire? Fait que là, maintenant, ils ont sorti un implant et une injection. Une injection qui dure 30 jours, 28 jours, puis un implant qui dure 6 mois. J'aurais aimé avoir l'implant, mais je trouvais ça trop difficile de baisser ma dose. Fait que j'ai décidé de prendre l'injection. Fait que ça va me libérer d'aller à la pharmacie tous les jours, maintenant tous les semaines. Je suis chanceuse, j'avais des doses à emporter. J'y allais une fois par semaine. Il y a des gens qui y vont tous les jours. Fait que c'est maintenant, c'est ça, c'est une fois par mois. Ça va changer ma vie, là. C'est vraiment une belle étape. Je suis vraiment contente qu'il y ait quelqu'un qui a pris le temps d'inventer des traitements de substitution un peu plus longs, là, tu sais. Pour le bénéfice du public. Est-ce que je peux te demander de nous dire aussi ton traitement pour la bipolarité, il est comment? Ah, mais moi aussi, par injection. En injection aussi. Parce qu'en comprimé, j'arrivais pas à le prendre. C'est niaiseux, mais c'est pas que je voulais pas le prendre. C'est juste que je pensais pas, je m'en foutais. Je me disais que ça faisait pas vraiment quelque chose au final. C'est que pas je sentais niaiseux. Pas que je pouvais skipper une dose, que j'apprendrais demain. Puis je le prenais jamais. Fait que là, j'ai dit ça, le prendre par injection. Puis depuis ça, là, c'est génial. Là, ça va super bien. Je suis. Tu sais, comme je dis, je serais jamais flat, tu sais. Il m'arrive de me dire quand t'es flat, c'est parce que t'es mort. Là. Oui, oui. Mais il y a moins de fluctuations. T'sais. Au lieu d'être dans les grosses courbes, je me tiens dans des. C'est quand même des sautes d'humeur, mais ça tout se monte. Tout le monde en a, là. C'est ça. Tout le monde en a des sautes d'humeur. Les bipolaires traités, ils viennent pas flat, là. Ils ont des hauts et des bas plus normaux. Puis je trouve ça intéressant de t'entendre parler, puis on va devoir s'arrêter là-dessus bientôt. En fait, je vais regarder mon super timer dans une minute. Ah, mon Dieu, on est bien timé. Mais il y avait l'anecdote que je t'ai pas fait raconter. Oups, et voilà! On va faire un mini-rappel. Par rapport à tes traitements, je trouve ça intéressant parce que tu as des injections thérapeutiques puis tu as des injections récréatives. Oui, c'est vrai. Tu comprends? Tu choisis tes injections quand même. Puis la cocaïne, ça peut être un trip, un hit que tu aimes faire. Oui. Que tu fais maintenant de façon plus sécuritaire, peut-être, dans des meilleures conditions d'humeur, puis tu n'abuses plus nécessairement. Bien, je ne m'injecte plus non plus. Puis tu ne t'injectes plus. OK. Puis je pensais qu'il y avait encore, je ne savais pas. Félicitations. Merci, ça fait. Mais tu sais, c'est quoi des injections, en tout cas? Oui. Puis l'anecdote que je voulais que tu nous racontes, c'est pour montrer que notre système de santé, quand même, quand on a une vraie urgence, il est quand même efficace. Ah! Je veux juste que tu nous racontes cette anecdote-là, si tu es d'accord. Eh oui. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Que tu as survécu à ça. Oui, c'est quand même. J'avais jamais vu le risque. Il est 9h le matin, je fais une injection. Moi, je m'injectais dans le cou. Pourquoi? Parce que j'avais plus de veines dans les bras, dans les jambes, nulle part. Puis le cou, c'est une manière. C'est très facile, c'est une grosse veine, puis ça gèle très, très rapidement. Là, avant d'avoir fini de pousser ta seringue, t'es déjà gelé. Wow. C'est très, très efficace. Je le conseille pas. Là. Puis la seringue, elle a cassé dans mon cou parce que j'ai une grosse cicatrice à force de le faire. Fait que la seringue a cassé dans mon cou. Moi, je prends ça relax. J'attends, je vais au McDonald's, je cherche un café. Je vais à une relais méthadone pour voir s'ils peuvent l'enlever. Ils me disent, faut que tu ailles à l'hôpital. Je vais chez nous, je vais porter mon chien. Je marche mon chien, je dis bye à mon chum. J'arrive à l'hôpital vers 11h30. Puis là, ils ont fait rentrer un ORL d'urgence à 3h du matin, après les scans, après les radios, pour m'opérer d'urgence. J'ai une cicatrice de 5 cm dans le cou. Et c'était quand, ça? C'était au mois d'août, au mois de juillet cet été, oui. Donc, en pleine pandémie. En 2021, oui. Fait que c'est ça, je pense, c'est quand même important de le rappeler. Que oui, l'accès au système de santé était perturbé pendant la pandémie, mais pour des vraies urgences, là, n'hésitez pas à aller à l'urgence. Oh, les incidents cardiaques, des incidents comme ça. Puis la morale de l'histoire, c'est quoi? De ne pas shaker pour s'injecter dans le cou ou de ne pas s'injecter dans le cou? Suivez les recommandations des organismes en réduction des méfaits. Okay. Quand ils vous disent que quelque chose est à risque, souvent, il y a une raison. C'est pas pour le fun, tu sais. Okay.
tu sais, quand il y a une belle map où s'injecter, comment s'injecter, ils donnent des conseils, ils sont là pour t'aider à le faire, tu sais, ben pas t'aider à le faire, mais te montrer comment bien le faire. Écoutez-les, tu sais, c'est. Ils font pas ça pour nous faire du mal, là. Merci beaucoup. Merci, Sandrine, vraiment. Je te laisse le mot de la fin. Mais merci, Sandrine. Ça me fait plaisir. Non, vas-y. Ben moi, je trouve que Sandrine, t'es un bel exemple de caméléon. Mm. Puis je suis sûre qu'il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de parler, mais t'as quand même connu la rue un petit peu. T'as été dans la rue avec ton chien. Plusieurs épisodes. T'as connu les problèmes légaux, t'as connu le travail du sexe. Ouais. Tu connais la maladie mentale, la bipolarité, traitée stable. T'as connu plein de substances. T'as connu la violence. Puis aujourd'hui, t'es resplendissante, t'es rayonnante. Puis je pense que ta meilleure devise, moi, c'est la mienne en tout cas, c'est à donner, on reçoit plus qu'on donne. Puis c'est ça qui nous garde. C'est ça qui nous garde motivés. Puis vraiment, ce que tu fais en ce moment, là, c'est extraordinaire. Puis il y a tous les travailleurs de rue, tous les intervenants toxicaux. Je pense que c'est ça qu'ils font, puis je pense que c'est ça qui aide le monde à garder sa stabilité, en fait. Ah, définitivement. Si on n'avait pas tout ce monde-là autour de nous, je pense que ce serait plus difficile, en tout cas. Oui. En tout cas, merci d'être un caméléon. Tu aides des gens, mais tu t'aides toi en premier dans tout ça, là. Ah oui, puis je fais juste redonner un millième de ce que j'ai reçu, là, tu sais, c'est comme... Ouais. Exact. Ah, mais continue cette démarche-là, merci. Vraiment. Merci beaucoup. Puis on remercie notre mascotte, Naya. Ben oui, on remercie Naya. Qui a été tranquille tout le long du podcast. Ben oui. On l'a passé. Elle fit en plus avec toi. Oui, avec mon léopard. Ouais. La semaine prochaine, on va parler de VIH. On va parler en fait de ce que c'est vivre avec le VIH. Quand on ne fait pas nécessairement partie de la communauté gay. Donc, on va en parler parce qu'on a beaucoup parlé de VIH chez les hommes gays depuis le début de la pandémie, avec raison. Mais il y a d'autres gens. Il y a d'autres gens qui ont le VIH. On peut bien vivre avec le VIH aujourd'hui, comme on peut bien vivre avec la maladie affective bipolaire. Fait que merci beaucoup. Ben oui, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Don't do it. Inject your soul with liberty. It's free, it's free. To all the kids with heroin eyes, don't do it. Don't do it, cause it's not what it seems. Oh no, it's not what it seems. Salvation, salvation, salvation is free. Salvation, salvation, salvation is free. To all the parents with sleepless nights, sleepless nights. Tie your kids on to their beds, clean their heads. To all the kids with hearing eyes, don't do it. Don't do it, cause it's not what it seems. No, it's not what it seems. Salvation.